Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom sur un nouvel épisode de Tezo The Elder Scrolls Online, donc Tamriel Unlimited, donc ça s'appelle EZO-TU ou TEZO-TU ou enfin bref, TU parfois même seulement Tamriel Unlimited. Donc voilà, nous sommes dans le jeu, nous sommes toujours devant, enfin à côté de Gabriel Benel, le mage, enfin la mage. Je déteste les nouvelles rencontres quand je ne suis pas bien apprêtée. À quoi ressemble ma coiffure? Ma robe est-elle bien arrangée? Pas assez ouverte, mais le problème n'est pas là. Le commandant Alès m'a envoyé vous chercher. Oui. Le commandant Alès, un brave homme et un bon soldat. Mais comment m'avez-vous trouvé? Vous avez laissé votre journal au camp. Ah bon? Je savais que j'avais laissé mon journal quelque part. Mais je ne vous ai pas annoncé le meilleur. J'ai trouvé le talisman de minuit. Avec lui, nous pouvons briser la barrière d'Angoff à 4 bedros. D'accord. Nous avons juste besoin de recharger cette magnifique petite relique. Qu'est-ce que le talisman de minuit? Vous aimez son nom? Oui, c'est sympa. Je l'ai trouvé moi-même. Ah, d'accord. Il lui donne une tonalité lugubre, n'est-ce pas? Bref, c'est une relique d'Edric utilisée pour manipuler les portails d'Oblivion. Si on sait comment faire, il permet de franchir des barrières magiques. Je l'aime pas. Et je sais comment faire. Alors, ce talisman est la clé de la défaite d'Angoff. Le talisman serait la clé pour vaincre Angoff si son pouvoir n'était pas épuisé. Mais t'énerve pas contre moi. Ensuite, nous serons en mesure de retrouver et faire payer Angoff. D'accord, d'accord, mais t'énerve pas contre moi. Je connais un rituel qui pourrait recharger le talisman et restaurer son pouvoir. Il existe un ancien site du Weird sur la plage, non loin d'ici. D'accord. Il pourra faire office de catalyseur pour le rituel. Pensez-vous être en état de voyager? J'ai juste besoin de me reposer un peu. Je pourrai ensuite m'y rendre avec suffisamment de puissance pour le rituel. Tenez, prenez le talisman et mettez-vous en route. Je vous rejoindrai au site du rituel. Du rituel, pardon, Ruelle, Strud. Wow. Oh putain. Je me suis pris des dégâts. Enfin bref. M. Alors. Maîtriser le talisman. Maîtriser le talisman. Où est-ce que c'est? Ok, c'est là. D'accord, le passé redoutable, c'est loin. Simplement égaré, c'est loin, fille des géants, d'accord. Ok. Bon, pourquoi pas, on sait où est-ce qu'on doit aller maintenant. Boum, de toute façon t'es déjà à moitié mort alors. Crac. Voilà. C'est fait. Bien là. Hop. T'apprendras. Coucher. J'aime bien parce que ce geste est beaucoup plus rapide et en fait il fait autant de dégâts. Regardez. Boum. Puis c'est cool de pouvoir pomper la vitesse d'un bonhomme quoi. Enfin je sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Il est mort connement en plus. Si c'est pas fun ça. Bon. Ok, alors est-ce qu'on va avoir la chance de tomber sur un truc en haut de cette tour ou tout simplement le plaisir de pouvoir remonter? Ok, je crois. Boum! Donne-moi ta vie, merci. Où il n'y aura simplement rien et quand on va redescendre, il va y avoir un repop. Bonjour l'ami. Un sac avec des algues, je ne prends pas, ça ne m'intéresse pas. Caisse vide, caisse vide, caisse vide. Bah d'accord, il n'y avait rien, donc c'est encore le plaisir de monter des escaliers pour rien. Alors, il semblerait, chers amis, que j'ai trouvé quelques joueurs pour jouer avec moi, donc ça va venir. Hein. Pour l'instant, comme vous pouvez l'entendre, je suis encore dans la petite pièce très résonante. Du coup, bah, le retour de tout ça, c'est pour bientôt, mais ce n'est pas encore pour tout de suite. Hop. Oula. Tu viens de faire laguer mon PC. Vilaine. Merci. Il n'y a rien dans les bouquins. Rien dans les bouquins, je les avais pas vus, en fait. Bon, bah tant pis. Quelle discrétion! Quelle discrétion! Non. Tu ne m'as pas vu. Oula, mais c'est Kyao!
Alors je prends le risque, mais le fait de voir qu'il n'y a aucune végétation en fait à cet endroit-là m'inquiète. Non, ça va, on devrait pouvoir descendre sans trop mourir. Merci l'ami, c'est sympa. Donc oui, donc vous avez pu voir Shibito, donc il m'avait envoyé de l'équipement de niveau 16 et un peu plus haut. Donc on l'en remercie tous, hein, bien sûr. Donc vous avez pu voir ça dans le précédent épisode. Où est-ce qu'on va? Il y a un bateau là-bas. J'aimerais bien envie d'avoir le bateau. Et donc plusieurs d'autres personnes commencent à se montrer tout simplement via en fait le fait que Tezu a fait une grosse promotion. Bah voilà, on a bien fait. Donc grosse promotion de Tezu, bah due à l'arrivée de Tamriel Limited et de la version console. Donc bah écoutez, moi je serais encore ravi de vous accueillir. Ouh. Tout petit peu d'XP en plus. Intéressant. Intéressant parce que ça doit bien pouvoir se revendre. Oui, celle-là elle vaut cher, donc non. Ça vaut rien, donc je le détruis. C'est marrant, quand vous ouvrez un coffre, vous êtes automatiquement détecté. Moi j'étais parti pour aller voir le bateau. Ah bah j'ai bien fait. Voilà. Voilà. Forcément. Un bâton à 32, ça pourrait être intéressant aussi. Collier en grenade 18, collier. Bah voilà. Ah, mais je peux les enchanter ces trucs là. Oui, c'est vrai, faut que j'y pense à ça. Est-ce que j'ai pas genre une armure moisie? Une armure moisie genre lourde? Non. Un consommable du thé au lotus? Bah, je vais en utiliser un. Et je vais détruire l'autre. Oui, voilà. Ah mince, je me trompe de bouton. Hop, parfait. Bon bah de ce côté là on a fait deux petites réussites sympathiques. L'arbre est très joli hein. J'imagine que c'est le fameux ancien site du Weird. Oh ça m'a fait peur, j'ai pas compris ce que c'était. J'ai pas capté ce que c'était, mais c'était un mec sur une monture, d'accord. Flamouche, c'est joli ça aussi. Bonjour. Bonjour monsieur, très belle armure. Vous êtes un peu plus baraque que moi quand même. Ou bah lui ou elle, lui aussi. Lui il est épique son costume. Bon, bonjour Gabriel, depuis tout à l'heure, comment ça va? Vous avez réussi. Pas de morsure de zombies ou quoi que ce soit d'autre. Pouvez-vous m'expliquer ce que vous allez en faire? J'ai trouvé une inscription dans la crypte. Elle décrit la relique avec des détails remarquables. D'accord. Apparemment le talisman peut drainer l'énergie de la terre elle-même. Une ancienne magie sature ce site. C'est l'endroit idéal pour accomplir le rituel de rechargement. Mais ça va pourrir le site en fait. Bon, et maintenant? J'accomplis le rituel. Vous vous tenez ici en gardant l'air héroïque. Simple, non? Je la sens vraiment pas. Que pourra. Ouais, je la sens. Non, pas moi. Pourquoi moi? C'est fait. Mais j'ai un mauvais pressentiment. Ça n'avait pas l'air normal. Que s'est-il passé? Tout va bien? Le rituel a fonctionné, mais quelque chose d'horrible m'a regardé pendant que je canalisais l'énergie dans la relique. Je pense que quelque chose est piégé dans le talisman. Il y a quelque chose dans le talisman, bien sûr. Quelle que soit la chose présente dans le talisman, ce n'est sûrement pas amical. Nous pouvons tenter de le dissiper en utilisant la pierre de révélation du Weird dans le cercle au-dessus de la plage. Mettez le talisman sur la pierre et tuez ce qui en émerge. D'accord. Ça devrait faire l'affaire. Je vais le tuer, mais et vous? C'est juste que venir jusqu'ici m'a fatigué plus que ça n'aurait dû. Je sais que vous pouvez affronter ce qui se cache dans ce talisman. Je suis quasiment certaine que ce n'est qu'un porte-mort ou un galopin mineur. Je mets le talisman sur la pierre et je tue ce qui en sort, compris. Je la sens pas.
Désolé, mais je la sens pas. Par contre, je suis curieux d'aller voir un truc, chers amis. Hop. Tiens, il m'a donné des trucs. Peau de serpent. Est-ce que je peux faire enchanter dessus? Vous n'avez aucun enchantement à appliquer cet objet. Enchantement. 150 maximum, alors voilà. Cool, je peux l'enchanter alors. Je veux voir ce qu'on peut faire de sympathique avec tout ça. Donc j'ai que des glyphes vitaux. Bon écoutez, on verra bien pour le style quand on sera niveau 16. On va d'abord se rendre là-bas, surtout on sera avant la fin de l'épisode, ce serait cool. Ah non. Un bazar. Il a survécu. Hop là. Pim 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 pim. Oh, ça l'a même pas tué. Je peux même pas tuer un bazar d'une seule flèche. Ouh, mais c'est passé une couille par là. Mais du coup, il y a peut-être un. Oh. Du coup, il y a peut-être genre. Non. Elle est finie. Non, elle est finie. Attendez, je vais peut-être aller choper dans les coffres. Non, j'ai rien eu. Le mec qui veut absolument tout choper. Pourquoi pas. Hop. Bon, allons voir pour ce qui est de la quête. Hop. Alors, c'est très bizarre comme endroit. Je vous vois, petit mortel. Cela fait une éternité que je garde ce talisman. Et vous voulez me le dérober? Jamais. Je vous renverrai au royaume de Molagbal. Ok, c'est très bizarre. Les ailes d'Akatosh, qu'était cette chose? Ok, pourquoi pas. Où es-tu toi pour me parler? Tu es là, d'accord. Bonjour. Par Julianos. Oui, c'est moi. Je ne pensais pas que le talisman renfermerait quelque chose d'aussi puissant. Je vous présente mes excuses. C'était juste un Dremora, penses-tu? Le talisman est-il intact? Un Dremora? Oh, ceux-là sont dangereux, désolé. Au moins il est parti et nous pouvons utiliser le talisman. C'était l'objectif, hein. J'ai assez d'énergie pour ouvrir un portail pour nous deux. Êtes-vous paré à retourner au bastion? Je suis prêt. Allons-y. Oh, ça c'est classe. Ça, c'est ça que ça devrait ressembler, le système de TP. Et pouvoir faire en sorte que tout le monde peut se TP. Bon bah c'est cool. Salut les filles. Salut Gabriel. Nous y voilà. Le couronnement de tant d'efforts pour en arriver là. Et maintenant? Nous sommes prêts à affronter et détruire Angoff. Grâce à vous désormais. Attends, ferme-la deux secondes. Je sens sa douleur. Pourquoi ne pas virer des carottes? Les carottes, c'est pas bon. J'aime pas les carottes. Nous y voilà. Voilà, merci. Nous sommes à accomplir la quête. Level up, niveau 16. Ah, ça c'est parfait. Alors. Personnage. Alors ça, on verra ça plus tard. Si quelqu'un, bien sûr, de ceux qui me suivent, saurait comment je peux améliorer mon personnage en fonction donc des différents niveaux, je serais ravi de le savoir. Ça va tenir un point de compétence, d'accord. Si je n'ai strictement rien de plus à rajouter, à part peut-être une attaque ultime. Et ça, encore une fois, ce sera à vous de me dire. Cependant, on va aller s'habiller. Parfait. Alors, bottes de blanc serpent. Gilet de blanc serpent.
Garde de blanc serpent. Épaulette, coque d'épaule de blanc serpent. Il manque un truc. Le casque de blanc serpent. Oh mon dieu. Oh mon dieu, ce casque, ça ne va pas le faire. Ah non. Oh non, ce casque, ça ne va pas du tout le faire. J'ai peur de convertir en style impérial. Il faudrait qu'on trouve une table, mais bon. Bon. Bon bah écoutez, je pense les amis qu'on va se... C'est sur cette fin éclatante qu'on va se laisser... Ah non, il doit me rester genre là... Il a pas genre la ceinture ou un truc comme ça? Non, je me trompe peut-être. Non, bon bah écoutez. Ben on va se laisser là les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce, vériser, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam, joueur de la Playroom, donc vous retrouvez le lien dans la bannière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures, salut les gens. Faudra qu'on passe aussi au truc de couleur.